Ok, bonsoir, bon après-midi. Nous avons avec nous Nicolas, que j'ai rencontré il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, je ne suis pas sûre, et qui est, ce n'est pas un Français, c'est un Américain qui parle bien français. On peut dire ça, n'est-ce pas? Je me débrouille, Tu mais te débrouilles bien, ouais, merci. d'accord. Et la raison pour laquelle tu te débrouilles bien, c'est que tu aimes beaucoup la langue d'abord. Ouais. Et numéro 2, tu as... Et ensuite, tu as passé quelque temps en France. Oui, j'ai passé 4 mois à Lyon Oui. et puis j'ai continué mes études français à UCLA. C'est vrai? Ouais, Ah, c'est. je savais pas ça. Donc, après avoir fait 4 mois, tu as continué à te perfectionner. Oui, j'essayais Tu as au essayé. moins, ouais. Combien de cours tu as pris? Oh, je sais pas, oh là. Au moins 5 cours. 5. Ouais. Ok. Mais Bah, c'est après bien. le. Après l'université. Ouais. Non, 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 non. non, après le high school. Non, Plus après que la visite. ça. Ouais. Après la Après les visite. visites, ouais. Après la visite, ok. Mais en high school, qu'est-ce que tu as étudié? J'ai suivi 3 ans de français, mais je n'ai rien appris. Ah, Donc, d'accord. à l'université, je devais recommencer mes études de français. Ah, tu as recommencé à zéro? Ouais. Mais Parce, c'est. c'est pour la grammaire, tu veux dire. Mais c'est comme ça aux États-Unis. Parce que, à mon avis, au lycée, si quelqu'un veut apprendre une langue, Oui. le niveau d'éducation ne suffit pas, Ok. à mon avis. D'accord. Donc, tu te sens confortable quand tu parles des Français? Assez confortable. D'accord. Ouais. Et dis-nous pourquoi tu aimes le français? Franchement, quand j'avais 14 ans, Oui. je devais décider entre l'espagnol Ou et le... le français. Oui. Et donc, je pensais, quand j'avais 14 Quatre. ans, Ouais. si j'étudie le français, Ouais. je peux dire aux femmes que je parle français. Et donc, c'est Ah. pourquoi je l'ai choisi. Ah, d'accord. Ouais, mais maintenant, je l'aime. J'aime la J'aime langue la langue. française. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Et est-ce que tu penses pouvoir l'utiliser dans ton travail ou pas du tout? Pas vraiment. J'ai envie, mais j'ai pas d'opportunité. D'accord. Donc c'est surtout pour toi-même. Ouais, franchement. Mais D'accord. c'est bon, quand même. Ok, peut-être qu'on va te laisser nous parler de ton expérience à Lyon, malgré que c'était que 4 mois. Dis-nous quelles sont tes premières impressions des Français? Parce que tu sais que qu'il existe une stéréotype que les Mmh. Français n'aiment pas les Américains. Ça, c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Mmh. Absolument faux. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, Tout le monde t'aimait? tout le monde. Et après, Obama a Oui, gagné oui. ouais, tu sais, l'élection. L'élection, la Tout le monde présidence. me disait, oh Nicolas, super, Obama a gagné. Oui, Donc oui. tout le monde aime les Américains Ah, en France. c'est vrai. Ouais. Et à Lyon, c'est vrai aussi. Donc c'était difficile quand je suis arrivé, Ouais. mais tout le monde était très gentil. Et ma famille d'accueil, super, super gentil. Ah, d'accord. Parce que moi aussi, quand je suis arrivée à Seattle, tout le monde me disait, oh, les Français n'aiment pas les Américains. J'ai dit, c'est pas vrai, je vais me marier avec un Américain. Je pense pas que c'est vrai. Et, mais c'est un mythe. Et ça va de bouche à oreille. Et on ne sait pas pourquoi. Moi non plus. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est un mystère. Peut-être quelqu'un a dit ça et puis c'est passé de Et bouche puis, à oreille. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'une rumeur se développe alors qu'elle a aucune base. Tu es d'accord avec Ouais, ça? je suis d'accord. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu as fini le monde des études en ce moment, c'est-à-dire tu étudies plus. Ouais, pour l'instant, on va Oui. voir parce que je sais pas ce qui va se passer, mais Ah, d'accord. pour l'instant, Ça suffit pour ouais, l'instant d'étudier. je dois gagner d'argent Oui. à cause d'avoir beaucoup de, on dit devoir, De ouais, de dette. dette, ouais. Ah, tu dois repayer des gens? Ouais. Sally D'accord. Mae. Ouais. Est-ce que tu aimes le monde du travail? Oui, si je pourrais travailler ou travailler pas, je choisirais travailler. Tu Ouais. choisirais de travailler parce que Oui. tu aimes ton travail. Oui, je l'aime beaucoup. Parce Ah que oui? moi, je trouve un sens de. Un Oh sens à là. ta vie? Ouais, c'est ça. Hmm.
D'accord. Et tu penses que ce que tu fais apporte quelque chose à la société, à contribution Je crois vraiment. Je trouve la justice Oui. pour les victimes Oui. et pour les défendants en plus. Parce que quelquefois, ils font des fautes, mais on espère qu'après, le défendant peut trouver, tu sais, sa direction, hein, son sens. Ouais. D'accord, donc toi, tu non seulement tu es dans le palais de la justice, etc. Est-ce que tu fais un suivi de ce qui se passe après? Normalement, j'ai pas d'opportunité parce que c'est privé. Ah, d'accord. Je sais juste ce qu'il a fait cette fois. Ah. Mais après, je peux pas chercher, S'il a fait des ouais, progrès. ce qui suit. Ah, Ce qui suit, ouais. d'accord. C'est quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est-à-dire s'il est en C'est pas pour moi. probation ou s'il Ouais. est, il doit faire des heures de volontariat, c'est quelqu'un d'autre qui vérifie. Mais pour moi, c'est privé. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as beaucoup de contacts avec ces gens-là ou juste 5 minutes? Oh, ça dépend parce que quelquefois par semaine je parle avec Beaucoup de gens. ouais, une fois, deux fois par semaine au maximum, mais c'est un peu bizarre parce que quelques personnes sont très gentilles, ils savent que Qu'ils ont fait une faute. ouais, mais des autres croient pas et Ils donc pensent qu'ils sont innocents. ouais, et c'est difficile quelquefois à expliquer que Pourquoi ils sont coupables? ouais. Et donc, il faut qu'il aille trouver des services pour les aider. Comme, donne-nous un exemple. Un exemple, un service. Glide, c'est comme Ah le service pour oui. les SDF. Ah bon, d'accord. Ouais, on dit SDF, c'est. Oui, c'est les gens qui n'ont pas Ouais, de... sans domicile fixe. D'accord. Ouais, Donc ils vont là-bas et on les aide. c'est ça. Mais en général, ils n'ont aucun sens qu'ils ont fait une faute. Ça dépend. Normalement, je crois oui. Ils ont un sens. Ouais, je crois. Mais comment tu peux savoir s'ils vont en recommencer ou pas? Parce que si ça dépend. Si je sais que quelquefois quelqu'un me dit, moi je suis Georges, maintenant je travaille, je ne bois plus, Ah et oui, je sais que bon, je ne vais j'ai pas le voir. recommencé. Ouais. Et ça me fait très Très plaisir. ouais, c'est ça. D'accord. Donc, et là, tu vois que la personne a pris conscience qu'il a fait une faute. Mais si tu vois qu'ils sont pas là, quoi, tu dis à celui-là, il ferait bien de faire quelque temps, quelque part. Et je peux expliquer au juge que Oui. si l'homme travaille, il ne boit plus, quelque chose comme ça. Je peux expliquer au juge et le La juge situation. décide. Ouais. La situation, ok. Mais je peux demander à monsieur juge, est-ce que tu peux aider monsieur? Ouais. Donc. D'accord. Donc, en général, tu as une petite influence quand même. Ouais, petit, mais ça existe, au D'accord. moins. Mais comme tu ne peux pas parler à tout le monde, c'est le juge qui décide sur tous les cas. Normalement, oui. Parce que moi, je peux dire, je prends ça, mais c'est le juge qui décide. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que tu es toujours d'accord avec le juge? Non. Non. Non? Normalement, oui, la plupart du temps, Oui. mais quelquefois, je crois que quelque chose n'est pas très grave, Ouais, mais le juge croit que, oh, c'est grave. et il lui donne beaucoup de temps Ouais. à faire de travail volontaire. Mais pour moi, moi, je m'en fiche, donc. D'accord, donc toi Ouais. tu penses qu'il n'a pas fait quelque chose de grave et le juge il pense qu'il doit faire beaucoup d'heures de Ouais, volontariat. mais quelque chose, c'est le une personne deux fois. Hein. Ouais. Donc si, donne-nous un exemple d'un délit, de quelque chose qu'il a fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Les défendants, Ouais. mais normalement c'est pas grave. Par exemple, si quelqu'un boit Dans la rue? dans la rue, choses comme ça, franchement. Et il sait pas qu'il sait pas et qu'il doit pas faire ça. Ouais, non, on peut pas. Et aussi s'il boit dans l'auto, c'est pas permis. Mais c'est pire. C'est en pire parce Ouais, que. si quelqu'un boit dans l'auto, même si il ne conduit pas, c'est Ouais. pire. Ah, il faut pas boire quand on est dans une voiture. Non, pas en Californie. Dans les autres États, comme en Floride, Ouais, on tu peut peux, boire. oui. C'est, à mon avis, c'est bizarre.
Oui. Même si on ne conduit pas, on peut boire. Ah, d'accord. Si tu es stationnaire, Tu peux boire. tu peux boire. Ici, non. Si tu conduis, tu peux pas. Sinon, tu peux. Oui. Donc, si tu conduis, moi, je peux boire Ouais. quand tu conduis. Ouais, mais pas ici, pas en Non, Californie. pas en Californie. Donc, il faut pas avoir d'alcool dans l'auto. Ouais, c'est ça. Si la bouteille est ouverte, il y a un Dans l'auto, problème. il y a un Ouais. problème, on les arrête. C'est ça. C'est vrai? Et c'est combien de mois une bouteille ouverte dans l'auto? Normalement, on paye de Ah, c'est l'argent. de l'argent. Ouais. Pour que tu comprennes que c'est, il faut pas le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est dangereux si on conduit On boit. en buvant, ouais. Surtout si c'est, y a, la bouteille est ouverte et il n'y a personne à côté. Ça, c'est encore, c'est C'est un pire. grand problème, C'est pire. ouais. Ok, on va essayer autre chose. Si le policier trouve de la marijuana dans l'auto, qu'est-ce qu'il peut faire? Si, oh là. Avant tout, il faut que je dise que je suis pas avocat, Ouais. donc ouais, il Pas faut que je encore. dise que, pas Pas encore, encore. je ne suis pas avocat. Bon, mais j'ai appris Tu as à, appris la loi. ouais, j'ai appris à l'école de droit. Si un policier voit quelque chose qui n'est pas légal, Dans l'auto, ouais, qu'est-ce qu'il fait? il peut l'arrêter. Il peut l'arrêter. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. On dit plain view. Donc, si. Il peut lui dire, sortez de l'auto, on va vérifier ce qu'il y a dans l'auto. Il a le droit de faire ça? Oui. Parce que si le policier voit quelque chose qui n'est Oui. pas légal, Ah il oui, peut il a le droit de faire l'arrêter. ça. Ouais. D'accord. Ah, d'accord. Ah, parce que j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a dit, pourquoi vous m'arrêtez? Et un groupe de policiers l'ont frappé et tout. Et donc, il peut faire un lawsuit contre la police. Il peut. Ouais. Donc, Parce des que fois, c'est les policiers qui ont tort. c'est la Et brutalité. ils abusent de leur pouvoir. Quelquefois. Quelquefois. Mais Et c'est triste, mais c'est comme ça avec toutes les professions. on les attrape avec une vidéo. Et puis, on les arrête à eux, pas aux. Mais c'est comme il y a quoi, 20 ans hein, avec Rodney King, tu Oui, connais? ça a commencé comme ça, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui ont le iPhone, alors ils font attention, hein. Ouais, c'est mieux comme ça à mon avis. Et tu Oui. connais Kelly Thomas, Kelly Oui, Thomas? oui. Parce que moi j'habitais en Orange County Oui. et la police l'a battu, puis il est mort. Non. Tu savais pas? Non, je savais pas qu'il est mort. Ouais, la police a Et tué un SDF, Kelly Thomas. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en Pas prison. de. On dit, comment dit-on, not guilty. C'est pas vrai. Si. Mais C'est vrai. c'est comme ça avec Rodney King. Oui. C'est même C'était chose. not guilty? Not guilty. Ah, parce qu'il paraît que le jury était blanc. Je ne sais pas, parce que avec le cas de Rodney King, Tout c'était le. à Los Angeles. Oui, le jury était pas noir. Pas noir, mais blanc, Oui. latino. Mais il y a eu la révolution après le. Il y avait des problèmes, mais en Orange County, personne n'a rien fait. C'est vrai? Ouais. Il y avait des. Oh, comment dit-on, avec les signes Oui, qui disent une que la police. démonstration. Ouais, des démonstrations, mais c'est tout. Pas de violence. Oui, Non, c'est. d'accord. Donc si quelqu'un... Ah oui, je me rappelle le cas du SDF. Donc il est mort et le policier, il est en liberté. Après le. Oh, je sais pas des mots légaux en français. Pourquoi il est en liberté? Parce que l'avocat du défendant Ou est du très policier. intelligent. Très Qu'est-ce qu'il a intelligent. dit? Il a créé des doutes dans le. Dans la tête du Des jury? jurys. Ouais, c'est ça. Très intelligent. Moi, je pensais que il a été coupable, Oui. mais après d'avoir écouté l'avocat Oui. du défendant, Oui. je savais pas. C'est Très vrai? intelligent, Ah, très intelligent. tu as suivi l'affaire? Juste un peu, mais il crée des doutes. Très Ah. intelligent. Ouais. Donc des fois, la justice, elle n'est pas juste. Ouais, je suis tout d'accord. Malheureusement, c'est comme ça. Mais le niveau, c'est. S'il y a de la doute, Un doute? s'il y a doute, on ne peut pas convicter. On ne peut pas, oui, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison Ouais, s'il y c'est a ça. un doute quelconque. Il faut beyond the Beyond shadow of the doubt. reasonable doubt. Reasonable doubt. On Ah dit oui. reasonable doubt. Beyond reasonable doubt, tu peux le mettre en prison. Et s'il y a un doute, on ne peut pas. Ouais, c'est ça. C'est Et pour drôle la ça. jury, il y avait un doute raisonnable. Mais aussi, peut-être que la famille de la victime n'était pas là pour le défendre.
La famille a gagné de l'argent de la ville, de la Ah, cité. d'accord, Ouais. d'accord. Mais quand même, c'est pas, à mon avis, c'est pas la justice. Parce que l'argent, qu'est-ce que ça fait quoi, l'argent? Parce que On a le perdu, fils, ils ont il est perdu le mort. Ouais, fils. il est mort. Oui. Et la police, il ne Ils ont. travaille plus, mais quand même. Ah, il travaille plus, mais Je il est crois en pas. liberté. Ouais. Ça, c'est Et qui a injuste. payé l'avocat? La police. La police a payé l'avocat. C'est horrible, ça. Mais c'est comme ça. C'est comme C'est la ça. société. Et donc, quand tu étais à étudier tous ces cas-là, parce que tu étais dans le business d'étudier ces cas, tu trouvais beaucoup de fois des injustices? Ça, À ton avis, il y avait beaucoup d'injustices? j'espère pas, à mon avis. Ah bon? Quand on lit la nouvelle, ah oui, il y a des problèmes. Mais je crois que le système veut aider. Le Mais je sais système pas. veut aider qui? Les pauvres, les SDF, les victimes. Ah bon? Ouais. Ils ont quand même une représentation, même s'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Mais le système n'est pas parfait. D'accord. Mais c'est comme ça. D'accord. Maintenant, quand tu travailles, il y a un avocat pour la victime, un avocat pour ce Non, defendant, le non? système, c'est comme ça. Oui. Et encore, il faut que je dise que je suis pas Tu n'es pas avocat. avocat. Et c'est les opinions de moi-même. De C'est ton. mon avis et c'est tout. D'accord. Mais bon, normalement, un avocat pour le défendant et un avocat pour le gouvernement. Et D'accord. c'est tout. D'accord. Et donc, c'est le gouvernement qui décide Si on va lui les. donner un avocat. Ouais. C'est les Et charges. On dit la charges, ouais. victime, elle peut aussi avoir un avocat du gouvernement. Ah oui, mais ça dépend si. Parce qu'il y a deux systèmes aux États-Unis. Le système criminel et le système civil. Ah, c'est différent. Et donc, c'est pour le civil, on peut. Moi, je peux chercher un avocat pour sous Pour le. aller Ouais. après le défendant, Ouais, c'est ça. oui. Pour gagner l'argent. D'accord. Ouais. Pour des cas civils. Ouais, c'est ça. Et juste pour les cas civils. Et dans les cas criminels, c'est plus compliqué. Oui, toujours plus compliqué. Donc, non, mais c'est vrai que il y a peut-être 30 ans, beaucoup de gens qui n'avaient pas de bonne représentation passaient 30 ans en prison, 15 ans en prison, et ceux qui avaient de l'argent, ils sortaient, ils restaient pas en prison. Mais Mais les est-ce que la systèmes, ouais. justice a progressé? Oui, et le système a changé parce qu'il y avait un cas qui s'appelle Gideon versus Wainwright. Oui. Gideon, c'est le nom de coupable défendant. Ouais. Et c'est lui qui a changé le système. Ah Parce bon. qu'avant ça, Ouais. si quelqu'un n'avait pas de l'argent Ouais. et ne pouvait pas Se défendre. ouais, se défendre, il a perdu. Il a perdu d'avance. Ouais, après Gideon, Ouais. il a dit au système de justice, les pauvres doivent avoir l'accès aux avocats. D'accord. Ça, c'est en quelle année? Oui, et oh, il y a 50 ans, je crois. Ah, d'accord. Maintenant, ils ont 60. tous un avocat? Ouais, si quelqu'un a pas de l'argent, comment dit-on, court? Oui, la Le. ville ou Ouais. l'État paye l'avocat. L'État, ouais, c'est ça. L'État paye. Oui. À mon avis, c'est bon. C'est mieux comme ça. Oui, c'est parce qu'on cherche la justice. Oui. Ouais. Parce que c'est la raison d'être de ton travail, non? De C'est trouver. la justice. Oui. Et la justice est aveugle. Donc. Il faut pas regarder le compte en banque d'un ou de l'autre. Hein. Oui, parce que avant l'argent parlait plus fort que la justice, non? On peut dire ça. Dans oui, Yeah. quand beaucoup de gens sortaient de prison parce qu'ils pouvaient se payer des très très bons avocats. Ouais, comme O.J. Simpson, à Et mon le avis. Ouais. Ouais, et l'autre, comment qu'elle s'appelle, Rob, oh, comment il celle s'appelle? qui est allée à la banque, Ouais. elle était avec un groupe de terroristes. Mais elle est sortie. C'est la bêtise. Ouais, elle est sortie parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Donc tu te rappelles de ce cas-là aussi?
Non, je ne me rappelle pas. D'accord, parce que tu étais trop jeune. Ouais. D'accord. Donc, et est-ce que quand tu as passé 4 mois en France, tu étais juste, c'était juste après high school? Non, c'était après 3 ans de 3 ans d'études de l'université. Ah, d'accord. Donc, tu n'avais pas le temps de comparer le système français Si, si, un peu. un peu? Juste un peu. Parce qu'aux États-Unis, on reçoit une grade. Mais Oui. en France, c'est, tu sais, c'est Ou de tu passes ou 20. tu passes pas. Ah, ça dépend. Parce que on reçoit un, comment dire, un score Oui. de 20 points Oui. en En France. France. Mais aux États-Unis, c'est une lettre. C'est une lettre A, B, C, D, E, F. Ouais. Donc, Et A, c'est 20. A+, A-. Oui, d'accord. Donc, c'est Et un peu donc, différent. tu pensais que le système français était bien ou pas? Moi, je l'aimais. Moi, je peux critiquer le système aux États-Unis parce que bon, je suis Tu es américain. américain, Ouais, je ouais. le connais bien. Ouais, Mais mais moi, tu... j'aimais le. Mais je veux dire ça que aux États-Unis, si par exemple on fait des fautes, on a des autres chances. Parce que moi, au lycée, j'étais pas bon étudiant parce que j'avais des problèmes personnels. Mais après, j'avais beaucoup d'opportunités pour trouver. Tu sais, j'avais des autres chances. Mais en France, tu sais, au lycée, par exemple, si j'ai des mal notes, Des mauvaises notes. ouais, des mauvaises notes, après ça, que puis-je faire? Ah, Rien. d'accord. Parce que c'est trop tard pour moi. Mais aux D'accord. États-Unis, c'est. Tu peux toujours avoir une autre chance de Ouais. prendre le cours à nouveau. Ouais, c'est ça. Ouais, en France, il n'y a pas de chance. Non, pas de chance. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu échoues, tu échoues. Ouais, et après ça, bon, c'est tout. Tu peux pas continuer. Non. Mais aux États-Unis, ouais, Tu tu peux peux réessayer. faire ton... Aux États-Unis, tu peux faire ton diplôme en 4 ans ou en 5 ans. En France, si tu passes pas... Le bac? Non, si tu passes pas Non. 2 fois, Ouais. tu peux pas refaire. Parce que c'est l'État qui paye. Ah, oh, ouais, c'est Tu vrai. vois le système? Ouais, parce Parce que. que tout le monde, c'est gratuit. Donc, pour éliminer ceux qui sont pas bons, ils n'ont pas le droit de continuer. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais, juste comme. Parce qu'aux États-Unis, on paye. On paye, donc on Ouais. peut continuer. Ouais. En France, on ne paye pas, on ne peut pas Et continuer. donc, c'est juste. Plus ou moins. C'est plus ou moins juste. Ici, tu peux faire même ta licence même en 7 ans, 8 ans, si tu veux. Ouais. Tu ne peux pas en France parce que Non. c'est l'État qui paye. Mais c'est moins cher pour les universités publiques aux États-Unis. Ah oui? Par exemple, à UCLA, je payais quoi, 10 000 Dix par an. mille par 10 000 an. par an. Mais USC, par exemple, c'est 45 000 par an. Ah oui? Oui. L'université de San Francisco, c'est 45 000. Non, c'est USC, l'université du sud de Californie. Ah bon, c'est privé aussi? USA, ouais, c'est privé. C'est trop cher. Oui, aussi, on a ici, University of USF, San Francisco, USF, ouais. c'est très cher. Ouais. Et il y a beaucoup d'avocats qui sortent de USF. C'est une école catholique. Oh, je savais pas. Oui. Je ne savais pas que c'était une C'était école religieuse. des... Je crois que c'est des jésuites qui ont commencé l'université il y a très très longtemps, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est pas une université publique, c'est privé. Ouais. C'est mieux de laisser la religion en dehors des études, non? Ça dépend, parce que si moi je m'en fiche, mais si quelqu'un veut étudier à l'école religieuse, pourquoi pas? Ouais. Parce que, à mon avis, pourquoi pas on doit les étudier. Oui, mais le problème, c'est que si tu étudies dans une école chrétienne et que tu dois faire la justice entre un juif ou un chrétien, tu vas prendre le parti du chrétien, non? Ça, à mon avis, non. Non? Moi, je. Par Si tu exemple. sais que un, il est une autre religion, musulman, et l'autre, il est chrétien, et tu as étudié et tu es chrétien, tu vas dire je vais donner une priorité, un meilleur jugement aux chrétiens. Pour moi, non. Moi, je cherche la justice et c'est tout. Ah, tu recherches Ouais. le. Tu vous demandez jamais la religion. Jamais.
Parce que c'est privé. Et je ne veux pas savoir. Mais tu peux voir sur le visage. Un peu. Pas toujours. Pas toujours. Mm. Mais quand même, je m'en fiche. D'accord. Tu regardes la loi. Et c'est tout. Et tu décides. Ouais. D'accord. Et quand tu étais à l'école, tu pratiquais ça? Je crois, oui. Tu as pu pratiquer? Mais il n'y a pas beaucoup de pratiquants à l'école de droit. Ah bon? Moi, j'étais dans la minorité. D'accord. Non, ouais. Mais à l'école, on leur dit qu'il ne faut surtout jamais demander la religion. Personne ne demande. Parce que c'est privé. Mm-hmm. Mais... Et vous ne demandez aucune question si tu es straight ou gay, tout ça? Tu ne poses pas de questions? Moi, je ne pose pas de questions, mais tout le monde sait. Tout le monde sait? Oui, après... un moment. C'était très... Il y avait 80 étudiants dans mon école de droit. Oui. Donc, on savait tout. Tu savais qui était... Oui, qui est gay, qui est... Non, mais à la cour, quand tu dois juger quelqu'un, si tu es contre les gays, tu peux aller contre eux. Ou si tu es pour les gays, tu veux aller pour eux. Par exemple, quand ils ont fait passer gay marriage, le juge, il était gay, il l'a fait passer. Oui, mais à l'école des droits, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de libéraux. C'est très... Ils sont beaucoup plus de la droite? Ouais. Et donc... Non, parce que je sais que c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais, en français, on dit libéraux, c'est conservative. C'est comme ça. Ah, ouais. D'accord. Mais à l'école de droit, tu veux dire que beaucoup sont plutôt conservatives? Non, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est le contraire. Pas de libéraux. Parce que libéraux en français veut dire like, Republican, oui? Non, pas du tout. Libéraux, c'est liberal? Je sais pas si on dit pas libéraux, on dit de la droite ou de la gauche. Ah, ok. Parce que libéraux peut-être, c'est... Donc, toi, tu veux dire ceux qui étudient ouais. sont de la droite? Tout le monde est à gauche. Tout le monde est à gauche? Tout le monde. Tout le monde. Vous avez déjà vérifié? Non, mais je ne dois pas parce que je sais, tout le monde, quand nous avions des discussions... Ouais, tout le monde était de la gauche? Tout le monde. C'est drôle. Tout le monde. Ah, d'accord. Ouais. Parce que c'est plus populaire alors? Ouais, je crois. Mais c'est juste parce que tout le monde pense que... Chacun est libre de faire ce qu'il veut? Ouais, on a des théories et des choses comme ça. Il y a quelques étudiants... qui était au droit, mais pas beaucoup. D'accord. Donc toutes ces questions qu'on ne vous pose pas ouvertement, tu es conscient de ces nuances, malgré que ce n'est pas sur l'examen. À l'examen, on ne va pas te dire si tu as un juif et un arabe. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais toi, tu es conscient de ces petites nuances? Moi, je crois que je suis. Parce que pour les examens, on utilise des numéros. Mais... On n'écrit pas le prénom. Donc, c'est toujours privé. Oui. Mais moi, je... Parce non, mais ce genre de question n'est jamais sur l'examen. Jamais. Non, jamais. C'est toujours le droit et c'est tout. Ou la loi. La loi pour tout le monde. Ouais. C'est égal. C'est juste. D'accord. Ouais. Mais vous faites des études quand même de cas à la cour où le juge il est gay et il va en faveur de la personne qui est gay, non? À mon avis, non, je crois pas. Tu crois parce pas? Que je crois que même pourquoi si le juge... pourquoi le juge qui était gay il a fait passer le mariage Parce que c'est juste. Parce que c'est juste, c'est parce... À mon avis, ouais, je crois. Parce qu'il y a aussi des juges qui ne sont pas gays. Oui, et qui ont voté pour. Ouais. Ah bon. Et donc, parce que ce n'est pas un problème d'hétérosexualité ni homosexualité. C'est quoi? C'est l'accès pour tout le monde. L'accès au mariage pour tout le monde? Pour tout le monde, je crois que c'est ça. Ah, d'accord. Donc toi, tu es pour? Ouais. Malgré que tu es chrétien. Même si je suis chrétien, je suis pour, oui. Tu es pour, d'accord. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens de la droite qui sont contre. Ouais. Et ce n'est pas passé avec le majority vote. Mm-hmm. Et c'est passé grâce au juge qui était gay. Mm-hmm. Donc, une personne override the voice of the people. Ce n'est pas juste.
C'est compliqué parce que il faut se souvenir qu'il y a quoi, 60 le vote ans. Of the people. Oui, je sais, ouais, je comprends, mais oui, je veux dire ça. Une personne override. Mais quelquefois, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait l'esclavage. Il y a quoi, beaucoup d'un, mais d'un, quand même. Oui. Quelqu'un devait dire que c'est non. pas juste. Une personne a une dit personne. Que c'est pas juste. Et on peut commencer avec une personne. Et puis, les gens ouvrent leur tête, ouais. Ouvrent la tête. Mm-hmm. Oh, l'esclavage, c'est pas juste. Non, c'est pas du tout juste. Et donc maintenant, je crois que tout le monde voit que si un homme veut se marier avec un autre homme, bon, il est pas. Libre. Ouais, c'est ça. Il est libre. C'est son choix. C'est pas le choix mien. C'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. C'est son choix. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça réduit le nombre de naissances. Mm-hmm. Non. Est-ce que tu peux répéter la question? J'ai dit ça réduit le ouais. Nombre de naissances. It reduces the number of births if you're allowed gay marriage. Yeah, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que si tout le monde a beaucoup de dettes, on attend jusque pour avoir des enfants. Et donc on peut dire que si les universités sont moins chères, on peut ajouter le nombre d'enfants aux États-Unis. Mais on ne dit pas que la dette n'est pas morale. On ne dit pas que la dette, il ne faut pas avoir de dette. Ouais, donc. Donc ça aussi. C'est important. Chacun décide ce qui est moralement juste ou moralement pas juste. Pas, ça dépend. Parce que, à mon avis, il y a des morales qui oui. sont pour tout le monde. Oui. Par exemple, je ne peux pas tuer. Personne. Et tu peux pas voler. Ouais, personne. Ouais, c'est ça. Mais si c'est très personnel, donc bon. Si tu fais pas de mal à personne. Ouais, ils sont libres. Mais c'est juste pour la société. C'est pour la société que ça fait du mal. Ouais, c'est ça. Donc. Parce que si j'ai compris, si il y a une ville qui a essayé ce modèle où les hommes se marient avec des hommes et les femmes se marient avec des femmes et tout ça, et c'était. Personne ne savait la différence, et ben toute la ville a péri parce que il y avait plus d'enfants. Et oui, ouais, ça a été essayé. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais par exemple, si quelqu'un n'a pas envie de se marier, on peut pas dire que il n'est pas moral parce qu'il n'est pas marié. Ouais, et donc il va pas d'avoir des enfants parce qu'il va pas se marier. Mais c'est son choix. Et donc si une personne n'a pas envie de se marier, on ne peut pas dire qu'il n'est pas moral. Il faut que tu te maries. Ouais, on ne peut pas dire ça. Moi, je peux dire. Parce que si, par exemple, dans l'église catholique, les prêtres, ils ne peuvent pas se marier. Ouais. Ça, c'est moralement faux. Parce que c'est contre la nature. À mon avis, c'est un peu bizarre, mais... C'est un peu bizarre. Il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est son choix. Ouais, je sais mais c'est pas ça. Ouais, l'Église lui dit qu'il ne peut pas. Oui, mais ils ont tort. They're wrong. Mais c'est son choix. C'est lui qui décide, c'est pas l'Église. Parce que si il veut se marier avec quelqu'un, il quitte l'Église. Il peut partir. Ouais. Ah d'accord. Mais quand il y avait la guerre, beaucoup allaient à l'Église parce que pour vivre, pour manger. Alors il dit je vais me faire, je vais être prêtre, comme ça j'ai un toit, I have a roof, j'ai à manger, et puis j'ai pas besoin de me soucier de mes besoins de base et je joins l'église. Ça dépend. Pour moi je sais bien que j'ai envie de me marier. Ouais. Quand je suis prêt. Ouais. Mais si quelqu'un d'autre n'a pas envie de se marier. Chacun fait ce qu'il veut. Plus ou moins. Pour ça, oui. D'accord. Ouais. Donc ça rentre pas dans la loi. Est-ce que tu peux répéter? La liberté des choix personnels, ça rentre pas dans la loi. À mon avis, ouais. À part. Ouais. Et ouais. Et quand tu fumes ou quand tu bois, tu fais pas de mal à personne. Pourquoi on veut t'arrêter? À mon avis, parce que c'est un problème social. Parce que même s'ils ne font pas la violence à propos de quelqu'un d'autre,
il a des problèmes. Par exemple, il y a moins de productivité. Au travail? Ouais, il ne travaille pas. Et donc, ça, il travaille ça, moins. Ça affecte le travail. Et c'est si ils reçoivent de la service de la public, et c'est moins qu'ils payent. Oui. Donc, il faut qu'ils performent. Mm-hmm. Donc, c'est là, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils boivent. Parce que c'est comme la modération. Moi, maintenant, je lis, oh, comme dit-on, The Wealth of Nations. Tu connais? Oui, tu m'as parlé, oui. Ouais. Tu m'en as parlé. L'écrivain, il explore ce qui se passe si des personnes ne travaillent pas. Et ce qu'on doit chercher pour avoir un pays. Un pays. Ouais, avec de l'argent. Donc, c'est compliqué. Il faut les forcer à travailler? On ne peut pas, parce que c'est comme l'esclavage. Ah. À mon avis, on ne peut pas. Mais quand il même... Il ne faut pas les payer s'ils ne travaillent pas. Parce que, ouais, à mon avis, c'est juste. Si on ne bosse pas, pardon, si on ne travaille pas... On ne doit pas être payé. Ouais. Donc, on ne mange pas. Mm. Si tu ne travailles pas, et tu peux, puis tu ne manges pas. Si tu bosses, si tu travailles, tu dois recevoir de l'argent. C'est le système qui marche. D'accord. Mais en Suisse, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont dit... Beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont dit que même si tu restes à la maison et tu ne travailles pas, tu dois avoir un minimum de 2 700 $ par mois pour répartir the wealth, pour répartir la richesse du pays. Et donc, pour eux, c'est un minimum de base. Même et si ceux qui travaillent, bien sûr, ils gagnent plus. Ouais. Mais le minimum de base te donne tout ce dont tu as besoin. C'est même si on ne travaille pas. Même si tu ne travailles pas, c'est basé sur la répartition de la richesse du pays. Par exemple, s'il y a un apple tree, comment on dit, un pommier, et il y a des pommes. Ouais. Est-ce que parce que tu travailles, tu dois avoir les pommes, ou bien est-ce que si tu travailles pas, tu peux pas avoir les pommes? Tout le monde a droit aux pommes parce que ça vient du pays. Ça vient pas de toi ni de moi, c'est à tout le monde. Tu as le droit aux richesses du pays tout comme les autres. Oui, mais quand même, il faut, par exemple, si je veux, ça dépend, parce que il faut que quelqu'un travaille la terre, tu sais. Pour faire pousser les fruits et les légumes. Et donc, ce n'est pas juste si quelqu'un travaille beaucoup, 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 et l'autre qui ne travaille pas reçoit... Les mêmes fruits. Ouais, ce n'est pas juste. D'accord. Il faut travailler. Moi, j'aime travailler, mais... D'accord. On doit. Alors, donc, tu es pour éliminer les... Inheritance, comme ça, tout le monde travaille. Je suis pour l'inheritance, parce que le père, grand-père, la grand-mère... A travaillé. Ouais. Et donc, c'est la fruit de sa... De son travail. Ouais, c'est ça. Tu es pour. Et si le petit-fils, il ne travaille pas, il peut manger? Il n'a pas travaillé. Il a la chance, mais c'est le... Tu viens de dire que s'il ne travaille pas, il ne peut pas manger. Alors... Mais c'est le choix de son grand-père qui a travaillé, parce que lui, il a gagné de l'argent. Et c'est lui qui peut décider ce qu'il va faire avec son argent. D'accord. Et s'il veut donner l'argent à son grand-fils, il peut. Même si je ne suis pas d'accord. D'accord. Il peut. Parce que c'est Le petit-fils, il n'a pas travaillé. Pourquoi il doit manger? Il a de la chance, mais c'est le choix de son grand-père. Donc, celui qui a eu qui a reçu de l'argent de son grand-père peut manger. Et celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un grand-père riche, il ne peut pas? C'est ça ce que tu viens de dire? Non, je veux dire ça. Si on travaille, on peut choisir. Si papy travaille beaucoup, il peut donner son argent... À son enfant. Ouais. Comme il veut. Mais si on ne travaille pas... Moi, si je ne travaille pas, que puis-je faire? Rien. Mais si, par exemple, mon grand-père... a beaucoup travaillé, il a gagné beaucoup d'argent. Il peut te donner? Ouais. Et celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un grand-père riche, il ne mange pas? Non, c'est pas qu'il ne mange. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit juste... Tu as dit il faut travailler pour avoir de l'argent.
Oui, c'est normalement, oui. Oui. Mais c'est le grand-père qui a travaillé. Donc quelqu'un a travaillé. Ouais. C'était le grand-père. Ouais. Mais c'est quelqu'un a travaillé. Pour Et lui. c'est ça. Oui. Et c'est lui qui décide. Le grand-père. Mais si mon grand-père il a travaillé mais il m'a pas laissé de l'argent, je peux pas Parce avoir les mêmes droits que toi. que mon grand-père n'avait pas beaucoup d'argent. Voilà. Ouais, donc c'est comme ça. Oui. J'avais des opportunités. Ouais, j'avais de la chance. Ouais, bien sûr. Mais je connais des autres Donc, étudiants qui ont qui a des beaucoup grands-pères d'argent. riches, Ouais. oui. Moi, non, mais les autres, oui. Mais Mais vous avez les mêmes droits, non? oui, je crois. Pas. Pas vraiment, mais c'est la vie. C'est la vie. La vie n'est pas juste, c'est comme ça. D'accord, ben tu Même viens si de... je cherche la justice, ce n'est pas toujours juste. D'accord. Ok, donc je vais passer à l'anglais pour ceux Super. qui n'ont pas tout compris. Ouais, super bien. Ok, je Ok. m'excuse si ça a duré trop longtemps pour Pas de toi. problème. Ok. So, we have with us now Nicolas. He speaks very good English too. So, we're going to do it in English. Perfect. So, Nicolas, tell us who you are. My name is Nick, or Nicolas en français. Ouais. I just took the bar exam about 1 month ago, You and I'm hope. waiting for results, hoping Ah. to have passed. So, That's who you are. it's what I do, and I think it's also indicative of who I am. I'm Okay. gonna become a lawyer, Lord Ah, willing. hopefully. Yeah, and I'm a hardworking, honest, God-fearing man. I think that's Okay. how I describe So myself. basically, you want to be a lawyer. I think it's my calling, yes. Yeah, Yeah. and you like the field because. I think for a few reasons. One, even when I was younger, I like to ar a lot of people say they like to argue. I like to dissect arguments Oh yeah. and yeah, I prefer the debate aspect. It's Okay. not about a lot of people just like want to yell and try and like prove their point. What I really enjoy is like telling someone else why their argument's terrible and why they're wrong. Especially Oh. when I write, which I know it sounds bad, but that's a lot of being a lawyer, Oh, is okay. dissecting other people's arguments, pointing out the flaws, and Okay. then making even a stronger argument, you know, Okay. for your client or for your case. And Okay. I really like I like that aspect a lot. As in your profession, can you choose who you're going to represent? Yes. Again, I gotta preface, I'm not an attorney yet. Yeah. I just I I have say to in say it. general, in In general, general. yes. Yeah. Yeah. Can you choose who you want to represent, or you just take who's going to pay you? Generally speaking, it's your prerogative. You get to pick whatever you want. You're free. If I want to pick someone who is charged with drunk driving, I can do it. If I want to pick someone who is charged with like the most heinous murder you can think of, I You. can do it. It's my decision. Okay. But if you work for the state, they decide. If, yes, but it's also yes. It's different, but yes, You can be generally. on either side of the I guess case. You for can be for the plaintiff and for the defendant. you can't be for either, so you'll work for one office. For example, you could work for like the state's prosecutor's office, which if that were the case, you know, you're prosecuting. But by contrast, you can also be employed by the public defender's office, meaning for indigent people that can't afford representation, you would actually def help them and defend them during the trial process, should it go to trial. Got it. Yes, but it's not your decision. So if you're not going to work for the state, right? In the future. It just, You don't know what's going to yeah, happen with you. it depends. Yeah, I mean, we'll see if I pass the bar and, you know, I'll go from there. So, Okay. So basically, if you work for a company, they decide if you're going to represent the plaintiff and the defendant, or you decide who you want to represent. Generally, if one were to work for a firm, a higher, like a senior partner Will would decide decide. who you represent. And then give you the work, or Ah. like assign a portion of the work to do. So it's only if you work for yourself that you decide who you want to take. Yes, or if you're the, The like, top of the if you're the firm. top of the firm, then you can decide. You decide who you want to be on which side. Yes, Okay. that's right. Okay. And you can turn down someone because you don't need the money and Yeah, you can do whatever you want at that point, so, Yeah. yeah. So, for example, in 20 years, you would have more freedom to choose your cases.
In theory, yeah, but you know. Yeah, in theory. Yeah. In theory, hypothetically. Yeah. In 20 years, you will have more freedom. Yes. Okay. In theory. And what do you do currently? I mean, are you able to choose, or you do whatever you're told? So right now I'm post bar. So I'm, you're, you know, an intern. Yeah. You're an intern. Like a glorified intern. Yeah. And that might be pushing it. Yeah. But right now I take whatever they ask you to do. Yes. That's good. So you learn both sides of the coin? No, I'm just learning the one side. One side. Yeah. In the prosecutor's office. Oh, okay. The prosecutor's office. Okay. Yes. So even though you are at the prosecutor's office, then you still sometimes lean toward the defendant? Generally, I'll just say generally speaking, any prosecutor's office, yeah, it seems, this is like based on research I've done, you know, in school, that they really only bring cases where the evidence is there. Oh, okay. So. Okay, so you don't have to fight for someone who doesn't deserve. No. And then even then, I think, at least ideally, the jury will then find the out. Defendant not guilty. So that's supposed to serve as a check. Yes. Okay. Again. So again, there is not just you. There's also the jury. Yes. They call it jury nullification. If they really believe the defendant's innocent, then they'll find that it's defendant not guilty. Okay. So you have only so much power in some cases. Yes. As in, like, in my position, I have almost no power. So right now you just... I just do research and write. Yeah. And so, okay. Yeah. Are you still considered a student? Yes. No? I don't think so. I mean, I did receive my diploma, so... So now, yeah, internship. Okay. Internship level. Yes. But it's a joke that we're all students until we finish paying off our student loans. Oh, that's true. That's true. Which might be a while. I hope you don't have too much. You know. Yeah, everybody has some. Yeah. Okay. So did you go to a private school? I went to a public university and a public law school. Okay. Both part of the UC system, University of California. Okay. So you pretty much enforce the state laws. Yes, but that's irrespective of where I went to school, because most people that even went to private universities in California, they have to respect the state laws. Yes, most people, very few people go into federal practice. Okay. Or federal, you know, all the United States. So you mostly study state of California laws. Well, in law school, we learned mostly federal. Oh, you learned federal. I learned almost, in law school, we studied almost exclusively federal law. I don't know why, but we did. Is it the same as California law? No. There's like, most of it's the same, but there are some significant differences. Okay. So, mainly with like family law. Oh, and family law is different in the state of California. So, California is a community property state. Okay. Where I think there's only 7 community property states out of 50. Oh, so you didn't learn that. You learned the federal one. I didn't learn either. I learned family law for the bar exam. Okay. But I didn't learn it in law school. So you learned it for the state, not for the federal. To take the state bar exam. Okay, but you don't, for family law, you didn't study federal law, or you did? I didn't study anything for family law while in law school. No. Okay, because that was not your specialty. I just didn't want to learn. I didn't want to learn it. You don't want to learn. So your important. Specialty is what you said last time to me. Corporation. I guess criminal would be. Well, I probably have the most experience. You know. You have experience in corporations too. Minimal. I mean, I studied like the stuff we've talked about, like economics and corporations. It's just from like I personally find it interesting. That's why I study it, at school. In school, you study mostly criminal. Yes, but some corporation stuff too, but uh-huh. More from just like, you know, reading like books in the Wall Street Journal. So okay, I'm gonna ask you a question that just popped in my head. Please. Okay, I just want your personal opinion. Okay. They say in the United States there's 2.5 million people in jail. It's the highest number in all the countries in the world. Do you know, is it because you guys enforce the laws too harshly on people? Again, this is my own opinion. Yeah. I'll paraphrase what I heard a professor say my first year ever in college, and he was a foreign police officer. Yeah. He said, in reference to prisons, if you build it, they will come. Oh, okay. Meaning, if you build jails, like, you're going to find people to put in there. Oh, okay. So you have to close a few. Maybe we just have more jails here. I'm not really sure. No, it's not number of jails that we have too much of. It's the number of people in the jails. It's 2.5 million in the United States. So do you think that's too much? Well, I'm saying, like, the more jails we have, the more people we'll find, you know. That's true.
There's space for them. Honestly, I'm not sure though, because I think does UNICEF has harsher laws that you put too many people in jails? I don't think so. I mean, compared to maybe like Western Europe, which I think would be similar. There's less people in jail, no? But I think the laws are fairly similar, so I'm not sure why proportionately there are more people in jail here. Maybe the sentences then are longer. Maybe. That could be the case. Truthfully, I'm not sure. You never did a comparison. I never did a comparison between like Western Europe, or I guess maybe even Canada, the United States. All right. Yeah. I just wanted to know if you had a perspective on that issue, because the other issue I hear a lot about mm-hmm. is that there's a higher percentage of minorities in the jails. Yes. Is that because they don't have good representation? Again, this is like my personal opinion. I think a lot of it is tied to socioeconomic class. Mm-hmm. I think those without money are more likely to end up in prison for a multitude of factors. Less education. I think less opportunity is a big one. Okay. Whereas, you know, people in middle class know if they work hard, they can probably do something or go somewhere. Or people that just don't have that opportunity maybe think they don't have a way out. They don't have a way out. Or they do something, you know, maybe they try and like do something illegal to end up in jail. But just to like get by, you know? Mm-hmm. I mean, it's really, I don't know. I wish I knew what the solution were. I think a lot of people do. Okay. And I don't know how to fix it. I think racism too is obviously strongly tied in with like social class. Okay. But it's not in the books. It's just... None of it's in the books. It's just an application. None of it is in the books. Okay. I think with, you know, are the judge more lenient with the different classes of people? I think so. Okay. But again, You don't know. You didn't study too many cases. No, yet. But I think I would hope so, that people keep that in mind. Yeah. All right. I want to know what's the reason. Yeah. But I don't know. Economic reason, that's what you said. I think that's a lot of it. But I think racism, like, fed into. Might play a part. Like, there's a reason why so many minorities are poor. So I think. It's like racism fed into the poverty, which feeds into the criminal justice system. Okay. Yeah. Okay. Or I guess some crime rate. So. Okay. Well, yeah. Thank you very much. I think I'm not going to go any further because we almost out of time. Okay. But I can see where you come from, and seems like a very interesting topic to be in your field. I mean, there's so many aspects of a law to be studied. Mm-hmm. I mean, it's not all for you to study. Maybe somebody else will take on the task of studying these problems, and mm-hmm. you have enough on your mind right now than to worry about that. Yeah, I hope someone will find the solution, but see. We'll see. I mean, only one person cannot solve everything. No, definitely not. Yeah, so thank you so much for being here. I do appreciate your presence. I'm sure it's such a beautiful weather outside. I'm sure you're going to go enjoy it. So this was Nicolas. Georges, c'est ton nom de famille? Oui, c'est mon nom de famille. D'accord. So Nicolas Georges, who is a post-student, I would say. Thank you so much again. My pleasure. Thank you.